Oh putain le monde qui a. Oh putain le monde qui a. Oh là là. Oh mon dieu. Mais ça va juste sur la route. Mais sur le parking ou quoi? Bon les amis, salut à tous. Aujourd'hui, on va aller manger. Non, on va aller boire McDonald's. Parce que je vois plein de vidéos sur internet où les gens, pendant le confinement, ils vont manger McDo. Si les gens ils ont pas McDo, ils n'arrivent pas à vivre. Le premier McDo, vu qu'à Marseille il n'y en a pas, on va aller au McDo à Vitrolles. Donc on a un peu de route de là où on habite, on a à peu près une demi-heure de route. On va y aller et on va voir comment ça se passe, sachant qu'il est, ben, il est 11h18. Les gens ils y vont, ils veulent un menu Big Mac, ils repartent avec un bras pochable parce qu'il n'y a plus rien. Mais nous, voilà, on y va pour prendre un verre de coca. C'est un mec qui est dans un avion. Et l'avion il est en train de s'écraser, tu vois, il est en train de prendre feu, donc le mec il saute de l'avion. Et il meurt pas. Tu vois. Et les gens ils se demandent pourquoi il meurt pas. Est-ce que tu sais pourquoi il meurt pas? Je mets un petit compte à rebours. T'as 10 secondes pour. Non, les 3, parce que c'est... tu trouveras pas dans tous les cas, même si à une heure tu trouveras pas. Le temps est écoulé. Alors tu sais pourquoi il meurt pas le mec? Parce que son prénom c'est Glock. Et ça s'écrit G2L au cul. Du coup, il est pas mort. Ah non, ça a sorti l'entrée là-bas. Oh putain, le monde qu'il y a. Oh putain, le monde qu'il y a. Gros. On est là pour 2h, 3h de plus, c'est sûr et certain. Tu as vu le monde qu'il y a? Oh là là. Oh mon dieu. Mais ça va juste sur la route. Mais sur le parking gros. C'est énorme. Il est que 11h30. Le McDo, il est tout au fond là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Et ça veut dire qu'il y a la queue tout autour du McDo. La queue elle vient jusqu'ici. Elle sort du parking de Pickwick Toy. Et elle vient jusqu'ici. Et il y a du monde derrière maintenant et on vient à peine d'arriver. Il est 11h30. Donc je pense fortement qu'on va vraiment passer du temps. Et je comprends pas les gens qui font la queue pour manger McDo. Nous on vient pour faire une vidéo, mais les gens pour manger McDo, franchement. Bonjour. Je vous demandais juste de vous mettre plutôt là, comme ça, puis je me rentre ici. Parce qu'en fait, ça doit faire ça, parce que sinon. Allez, ouais. C'est bon. Merci. Impeccable. Donc il y a tellement de monde, les amis, vous voyez que même l'agent de sécurité, il nous a dit de prendre un peu plus large parce qu'il va y avoir tellement de monde qu'au final, ben, il risque pas d'avoir assez de place sur le parking. Là, en fait, en faisant cette vidéo, c'est pour me foutre de la gueule des gens qui vont à McDo. Je parle pas des youtubeurs parce que les youtubeurs, tu vois, ils font leur taf, donc c'est leur travail, tu vois, ça te divertit, ok. Mais les gens qui font pas de vidéos, les gens que c'est pas leur travail, tu vois, tu veux te dire, qu'est-ce qu'ils foutent là, ces gens? Tous les gens qui vont manger McDo. Qu'est-ce que vous foutez là? Et je vais aller prendre un coca pour bien montrer que je suis pas dépendant de ça, tu vois ce que je veux te dire. Mais tous ces gens, regardez la queue, on vient à peine d'arriver, il y a 5 personnes derrière nous, c'est incroyable. Comment se fait-il que ces gens-là, en pleine période de coronavirus, et même sans parler de coronavirus, avec le monde qu'il y a, frérot, tu fais la queue pour aller manger McDo? Et après on critique les gens qui sont accros à l'héroïne ou quoi, mais c'est la même chose, frère. Parce que pour faire une queue comme ça, faut être accro. Et franchement, les gars, la barre, elle est tombée trop basse. Impossible de la relever, les gars. Impossible, faire 2 heures de queue pour manger un Big Mac. Et en plus, tu n'es même pas sûr de l'avoir, le Big Mac, parce qu'il y a rupture après. Je sais pas, je comprends pas, frère. Nous, on va prendre un coca, voilà. Et je persiste et signe, on prendra un coca. Point barre. Un seul coca. Robert, et moi? Un coca pour deux. Je vais prendre qu'un coca après. Parce qu'après, voilà. Voilà, là, ça avance un peu. Vous voyez, ça avance au compte-gouttes. Bon. Il y a au moins peut-être. Facile. Il y a 50 personnes devant nous. 50 personnes devant nous. Et il est 11h30, les gars. C'est 11h30. Au lieu de rester à la maison de se faire des pâtes, ça prend 10 minutes. Non. Il y en a McDo. À 11h30, pas avant, pas. Non. 11h30, à midi, ils viennent ici. Et ils préfèrent se taper la queue pendant 2 heures. Mais. Ils ont mangé McDo. Les gars, si vous mangez pas McDo, c'est vrai, vous mourrez. C'est logique. Tiens, j'ai discuté avec le mec. C'est ce qu'il me disait. Il me disait que c'était. Et hier, ils ont bloqué l'autoroute pendant 40 minutes. La queue, elle allait jusqu'à sur l'autoroute, frère. 40 minutes de queue pour manger McDonald's. Il m'a dit quoi? Il m'a dit pour du pain et du fromage. J'ai dit ouais, c'est ça. Alors,
voilà les gars, voilà ce qui reste. Plus rien. Plus rien. Filet au fish, McFish, double cheese bacon, hamburger, cheeseburger, chicken, nuggets, frites et coca. Il reste du coca. C'est sûr qu'il y a du coca? Ouais, il y a du coca. Boisson, chaud et froid, il y a écrit, c'est pas. On y arrive. Et là, tu sais, tous les gens qui rêveraient de manger McDo, qui regardent ma vidéo, vont dire putain, j'étais à sa place, moi. J'aurais pris un menu et lui, prendre un coca, c'est enculé. Je vous jure, je vous promets, vous verrez par vous-même. De toute façon, je vais prendre un coca, frère. Je vais prendre un coca. Et tous les gens qui rêveraient d'avoir McDo, qui sont là, qui bavent devant leur écran, eh ben moi, j'aurais pu prendre un sale menu. Eh ben non, j'ai pris un coca. Je vais prendre un coca. Et je vais pas, et croyez pas que je vais me retaper la queue pour manger McDo, je m'en bats les couilles, moi. Je rentre chez moi, je me fais des pâtes, je mange. Vas-y, on prend la commande, les gars. Pardon. Bonjour, est-ce que c'est possible d'avoir un coca sans glaçon s'il vous plaît? Alors quelle taille pour le coca? Normal, un coca normal sans glaçon madame. C'est notre souci, avec ça? Ça sera tout. Alors 2,60€, 70€, merci à vous. Allez merci. Mais avec ça, ce qu'elle me dit, même elle, elle veut pousser à la consommation, elle me dit. Et quand elle a dit avec ça, j'ai senti dans sa voix qu'elle me dire gros, tu as pas fait la queue pour un coca. Prends quelque chose, s'il te plaît. Non, madame, ça sera tout. 2,60€. Merci. Et sans glaçons, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Partagez cette vidéo si vous aussi, vous foutez de la gueule des gens qui vont à McDo pour manger McDo. Voilà, moi, vraiment, c'est ironique. Je fais vraiment ça pour un coca alors que j'ai 6 bouteilles chez moi, gros. Mais bon, voilà. Si vous aussi, je le répète, si vous aussi... Vous ne comprenez pas les gens qui font la queue pendant des heures pour aller manger McDo. Partagez cette vidéo un maximum. Voilà, on arrive. Il y a 3 voitures devant nous, les gars. Ça fait 2 heures qu'on est là parce que c'est très lent, très long. 2 heures de queue, plus que 3 voitures. Tout ça pour une coca. J'espère qu'il sera frais. C'est tout ce que je peux vous dire. Sans glaçon, il sera frais? Sans glaçon. Ah ben non, il sera pas frais du coup. Il sera pas frais sans glaçon, gros. Et dites-vous un truc, les amis. Retenez ça, c'est très important. Je suis le seul YouTuber à avoir fait 2 heures de queue à McDo pour boire un coca en plein confinement. Oui, oui, monsieur. Oui, là, ça va venir à nous payer. On va passer la carte là, pour 2,60€. Franchement, je sais pas. Bonjour. Sans contact, ça marche? C'est bon? Allez. Merci. Là, s'il vous plaît. Ok. T'es un youtubeur, non? Ouais. Je te connais. Tu fais quoi? Caméra cachée. Ouais. Ouais. Vu que c'est exceptionnel, ils nous livrent sur le parking parce que comme ça, ça évite qu'il y ait trop de monde. En fait, les gars, le truc, c'est que. Avec les précautions qu'il y a, ils t'amènent même pas la commande à la voiture. Ils te la posent sur la table qui est juste là-bas au fond. Et en fait, quand c'est ta commande, tu te lèves et tu vas récupérer ta commande. C'est juste un coca, vous. Ouais. Merci. Vas-y, c'est bon. Ils comprennent pas. Il y a personne qui comprend quoi. Il a pris juste un coca. Ouais, juste un coca, frérot. Oh, s'il y a des glaçons, je vous jure que je lui retourne. Je dis, excuse-moi. Hein. Déjà, je commande qu'un coca. J'ai au moins 5 glaçons, Marc. Moi, plaisir, frérot. Monsieur ? Ouais, impeccable. Bon. Tu peux avoir des gains, ce que tu veux. Moi, frérot, je désinfecte tout. Il n'y a pas de. Voilà. Regardez, petit coca. Il n'y a pas de glaçon dedans. C'est parfait. Voilà, les amis. 2h30 de queue pour un coca, frérot. Qu'est-ce qu'il y a là? Je vais même pas le boire. Vous savez pourquoi je vais pas le boire? Parce que j'ai tellement peur. Regarde ce qu'il fait un peu. Désolé, je gaspille, je sais, c'est du gaspillage. J'ai fait 2h30 de queue, je suis désolé, mais je peux pas le boire, les gars, c'est impossible. Gaspillage, voilà. Donc, à tous les gens, les gars, qui font la queue pour aller manger McDo, sachez qu'il y a, il y a beaucoup plus de choses importantes dans la vie qu'un simple McDo, qu'à perdre 2h30 de sa vie pour manger un Big Mac, au final, il n'y a pas. Hein. Restez chez vous, arrêtez quand on vous dit confinement, c'est confinement. Même nous quand on fait des vidéos, là on est obligé de sortir parce que j'étais ahuri de voir le monde qu'il y a pour un simple McDonald's. Nous on y est allé, on a pris une boisson et je l'ai même pas vu tellement que ça craint. Arrêtez, restez chez vous. Et, voilà, et tu peux filmer derrière, il n'y a pas de sac, je sais pas quoi, il n'y a pas... À tous ceux les gars, quand vous allez à McDo, ne croyez pas que l'hygiène elle est 100%, c'est ça, ne croyez pas que 100% sécurisé.
veux dire par là que les mecs, ils ont des gants, ils ont des masques, ok. Mais qui te dit que le mec, il te fait à manger, frère? Il a pas mis ses mains sur son visage, il s'est pas curé le nez, il s'est pas mis un doigt dans le pour se gratter le. Tu sais pas. Donc arrêtez, prenez, mangez ce que vous avez à la maison, mangez des trucs qui sont fermés, hermétiques. C'est malheureux à dire, mais en ce moment, à l'heure où on est, faut faire attention à tout. Il se touche ses habits, ils ont traîné chez lui, tu sais pas. Donc les gars, arrêtez.